Aux beaux chardonnerets, aux ailes jaunes, aux masques rouges et aux yeux noirs. Que tu chantes avec une voix douce à celui qui sait écouter. De tous les coins de rue d'Alger émane le chant mélodieux et délicat d'un oiseau. Le chardonneret élégant, El Macnim, comme on l'appelle ici. Avoir un chardonneret est une tradition profondément ancrée dans la culture algérienne. Une coutume si lointaine que l'on en a oublié l'origine. Depuis que je suis tout petit, il y a un chardonneret à la maison. Mon père, mes oncles, toute ma famille a toujours été passionnée par le chardonneret. Tout le quartier était passionné par le chardonneret. En hiver, dès qu'il y avait un rayon de soleil, il n'y avait plus un clou libre pour accrocher une cage. On sortait tous notre chardonneret pour lui donner un bain de soleil. On l'emmenait au café ou quand on allait jouer au domino. Ça a toujours été une passion. Un enfant en Algérie, on est tous passés par là. On a toujours eu un chardonneret en cage. Je me rappelle du temps, ça remonte peut-être à très loin, peut-être 40 ans. On devait faire les cages nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos propres mains, avec du grillage. Ça représentait un petit peu l'oiseau en réalité. Quand je dis l'oiseau, c'est-à-dire c'est avec un grand O, c'est-à-dire tous les oiseaux sont représentés par le chardonneret pour moi. Cet oiseau qui berce le quotidien des Algériens depuis des générations est à l'origine un animal sauvage. Mais aujourd'hui, son chant mélodieux a disparu des grands espaces, comme en Kabylie. Ici, les paysages sont ceux d'un territoire qui s'est toujours défendu pour garder son identité et sa culture. Grâce à la détermination des locaux, très attachés à leur terre, les habitants ont su préserver leur mode de vie traditionnel. Majid est né dans ce village. Il est très investi dans la défense de ses valeurs. C'est un amoureux du chardonneret depuis son plus jeune âge. Il vit aujourd'hui à Alger, mais revient souvent se ressourcer en Kabylie. C'est donc au Fela, c'est le village de la wilaya de Vidjaya. C'est ici que je suis né. J'ai une enfance qui est là, il y a un passé. C'est plein d'aventures avec les cousins, les cousines, les voisins, les amis. J'ai de très très bons souvenirs. Avant, il y avait beaucoup de chardonnerets ici. C'est des volées de centaines, voire des milliers de chardonnerets. Et c'était plein, c'était incroyable. Mais après, à force de se chasser, il y avait une diminution phénoménale. Chaque année, je voyais les quantités diminuer. À un certain moment, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit aux gens, les cousins qui chassaient, il faut arrêter parce que ça devient très sérieux. On ne voit plus les quantités qu'on voyait quelques années en arrière. La situation, elle est grave, quoi. Elle est alarmante.
Il n'y a plus de chardonnerie, pratiquement. Il y a quelques-uns à gauche et à droite, mais on ne voit plus une volée de plus de 10 chardonneries. C'est incroyable. Il est en voie d'extinction. Il est en voie de disparition. Il faut que ça cesse. Il faut que les chasseurs et les braconniers prennent conscience qu'ils sont en train de détruire une faune. Il manque quelque chose. Là, quand on marche dans les ruelles, dans les petits sentiers du village, il y a un beau paysage, une belle verdure, des arbres, des fontaines, des sources, des ruisseaux et tout. Mais il manque quelque chose. Il manque une symphonie naturelle. En parallèle de sa vie professionnelle, Majid est très engagé dans la sauvegarde de cette espèce. Aujourd'hui, il élève des chardonnerets avec un projet très personnel. Il va bientôt prendre sa retraite et revenir vivre en Kabylie, où il espère retrouver le chardonneret en liberté, dans son environnement naturel. Majid a gardé quelques trésors de cette époque. Des enregistrements qui témoignent de la virtuosité incomparable de cet oiseau. Cette cassette, elle date peut-être des années 70. C'est un chant très très ancien de la région d'El Bia. C'est un chant magnifique. Ah, regarde. Ouais. Il improvise. On sent qu'il y a une certaine improvisation. Il est en train de perfectionner un chant, d'améliorer, comme si il est en train de faire une répétition pour une pièce de théâtre. Et puis, voilà, il essaye de convaincre son public. Ah, c'est magnifique. Ben, je l'ai gardé parce que je peux pas m'en passer, parce que c'est, comment dire, c'est un chant qui a bercé mon enfance. C'est un imitateur d'oiseaux, il imite, il perfectionne, il le fait mieux que le propriétaire. Quand on entend par exemple une note du rossignol, elle est magnifique, mais quand elle est chantée par un chardonneret, elle est extra, elle est top. C'est ça qui a fait que le chardonneret est chassé, il est poursuivi partout par sa façon de chanter. C'est un ensorceleur. Quand tu entendais un chardonneret, tu pouvais savoir d'où il venait, entre Beaufrisis ou bien El Bia, à vol d'oiseau il y a 500 mètres. Mais leurs chants n'étaient pas du tout les mêmes. D'un côté, c'était le tit-à-tête et de l'autre, le prêtre. Certaines notes étaient les mêmes, mais la totalité du chant était différente. C'était la même chose avec le boliment, quand le chardonneret se met à danser en chantant. D'un endroit à l'autre, ce n'était pas le même. Avant, on parlait d'un beau tatadiou ou bien d'un beau kiakasoso, d'une belle castagnette ou d'une belle mandoline. Mais aujourd'hui, on ne parle plus que du tiwawati. Mais si le chardonneret disparaît, pourquoi débattre de son chant? S'il n'y a plus d'oiseaux pour chanter, à quoi bon discuter de son chant? Il faut d'abord le protéger. Le chant, on verra après. Mouslim Barra est chercheur en écologie et enseignant à l'université de Guelma. Il s'intéresse plus particulièrement à l'oiseau dans son environnement naturel. Avec un groupe de scientifiques, ils ont décidé de mener une étude dans le mont de la Mauna, à côté de Guelma. Ils ont voulu savoir s'il existe encore des spécimens de chardonnerets dans la nature. Leur enquête a révélé que le chardonneret n'a pas totalement disparu, mais qu'il s'est isolé dans des zones éloignées de toute activité humaine.
Le chardonneret élégant, c'est une espèce d'oiseau emblématique qu'on peut rencontrer en Afrique du Nord. C'est une espèce qui appartient à la famille des Fringillidés. C'est un passereau très commun dans certaines régions forestières. Un petit oiseau de taille qui ne dépasse pas généralement les 18-20 cm. L'espèce, elle est de couleur un petit peu marron, avec des ailes, avec une petite tache qui est jaune. Généralement, le chardonneret, il peut avoir un casque qui est de couleur rouge, avec des yeux ronds ou bien étroits, ce qui crée ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. C'est-à-dire, l'individu, il sera différencié mâle ou femelle en fonction de la forme de ses yeux ainsi que la longueur de son casque. C'est une espèce qui n'est pas menacée à l'échelle internationale. Par contre, il se porte mal dans la région Afrique du Nord. Le principal facteur, c'est l'intervention de l'homme. C'est l'homme qui est le principal facteur de destruction, ou la diminution de la population du chardonneret dans la nature. Donc les forêts, donc c'est pratiquement quasi impossible de le voir, d'observer quelques individus de chardonneret, sauf dans certains endroits, donc à travers le territoire algérien. Donc la cage, la capture en cage du chardonneret, ça crée en quelque sorte une diminution de la population naturelle vers la population en captivité. Face à la pression qui pèse sur le chardonneret, quelques biologistes et militants pour l'environnement ont créé une association dont l'objectif est de sensibiliser les plus jeunes. Sadek Atoussi, enseignant-chercheur à l'université de Guelma, travaille sur la disparition des espèces en Algérie. Il s'attelle à partager le fruit de ses recherches avec la nouvelle génération. Les animaux menacés d'extinction, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? La disparition d'une espèce ? Donnez-moi des exemples d'animaux menacés. Le panda. Le panda, oui. Et quoi d'autre ? Les gazelles. Les gazelles. Le paresseux. Le paresseux. C'est un genre de mammifère qui vit dans les forêts. Le paresseux. Quoi d'autre ? Le gorille. Le gorille. Le chardonneret. Le chardonneret. Il vit en Afrique, en Europe, en Asie et en Sibérie. Mais en Algérie, il est menacé d'extinction. Quelles sont les causes de la diminution du chardonneret en Algérie ? La chasse non réglementée. La chasse. C'est la menace principale qui pèse sur le chardonneret en Algérie. Quoi d'autre ? Le fait que son prix soit très élevé ? En quoi c'est une menace ? Parce qu'on le chasse pour le vendre. La chasse pour la vente. Comme vous le savez, le chardonneret est très apprécié par les Algériens, comme oiseau d'ornement. C'est un oiseau qui fait partie de notre culture et de nos traditions. Voici une étude faite par l'université de Guelma sur le chardonneret. Elle montre sa répartition en Algérie. Vous reconnaissez cette carte ? Ici en rouge, la première carte montre la répartition du chardonneret dans le nord de l'Afrique, en Tunisie, en Algérie et au Maroc en 1990. Et ici la même chose en 2016. Au Maroc, on voit qu'il y a encore des chardonnerets. Mais on voit une grosse diminution en Algérie et en Tunisie. Ce sont ces données qui permettent d'affirmer que le chardonneret est en voie d'extinction en Algérie. Par ma formation, je suis un petit peu mathématicien, je suis logique. On a chassé le chardonneret pendant des années, des dizaines d'années. Il n'y a pas eu de disparition du chardonneret. Pof, à un moment donné, il y a disparition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de s'ajouter à ce qui se passait avant. Il y avait toujours des chasseurs. Depuis la nuit des temps, on a toujours chassé le chardonneret, mais on l'a pas décimé. J'estime que
c'était vraiment là où on a vraiment décimé le champ d'engrais pour l'Algérie, c'était la décennie noire. Dans les années 90, l'Algérie a connu une guerre civile qui a causé plus de 200 000 morts. Un climat de peur a régné pendant plus de 10 ans dans tout le pays. Lors de ce conflit, la nature et plus particulièrement les forêts ont aussi été touchées. Des incendies provoqués pour déloger les groupes armés ont dévasté les zones de nidification du chardonneret. Cette période a laissé une lourde empreinte dans les paysages, comme dans les mémoires. Plus l'endroit était dangereux, plus on avait de chances d'y trouver des chardonnerets. C'est là où la passion dépasse la raison. Quelqu'un raisonnable ne serait pas entré dans la forêt pendant cette période. D'un côté, tu pouvais tomber sur les services de l'ordre qui te demandaient ce que tu faisais là. Et de l'autre, tu pouvais te retrouver nez à nez avec des terroristes. On était passionnés par le chardonneret, mais aussi par la chasse en elle-même. Bien sûr, on avait peur quand on entrait dans la forêt. Mais il suffisait que l'on voie un chardonneret, puis un deuxième, pour qu'on oublie qu'on était en pleine décennie noire. On ne pensait plus qu'à ce qu'on voyait. Cette période des années 90 a été dramatique sur tous les plans pour les populations de chardonnerets. Leur équilibre, déjà fragilisé par la chasse et par la destruction de leur habitat, s'est vu encore bouleversé par l'expansion démographique et l'usage anarchique de pesticides. En Algérie, au début des années 90, tout le monde pouvait importer des pesticides. Mais là, l'utilisation était catastrophique encore une fois. Chose que beaucoup de gens ne savent pas, le chardonneret n'est pas que granivore, il est insectivore. Donc, on s'attaquait carrément au père et à la mère et à la nichée aussi qui devait être alimentée d'insectes parce que c'est le moment où elle a besoin de protéines. Et la preuve, il y avait beaucoup d'éleveurs, beaucoup de connaisseurs qui ont vu carrément des nichées mortes dans leur nid. La première raison qui m'a fait arrêter la chasse, c'est qu'il n'y avait plus d'oiseaux. Pour en trouver, on devait faire 60 km, puis 100 km, 200, 300 km. On n'en trouvait plus. Il ne faut pas se mentir. La chasse, c'est un vice. On y prend goût. Mais heureusement, j'ai appris à m'en passer. Aujourd'hui, on est arrivé à reproduire le chardonneret en cage. Pourquoi continuer à le chasser? On va le reproduire en cage. Les anciens y chassaient avec de la vraie glu. Elle vient d'une plante qui pousse dans les montagnes. La veille de la chasse, il a transpercé avec une aiguille pour en recueillir les sèves. Puis, la faisait bouillir avec de l'huile pour fabriquer la glu. Avec la glu, sur 20 chardonnerets qui venaient se poser, on en capturait 3 maximum et les autres pouvaient s'enfuir. Ça laissait une chance à l'oiseau. Moi, j'utilisais le petit filet espagnol qui me permettait d'attraper juste l'oiseau que j'avais choisi, sans déranger les autres qui venaient boire à côté. Mais à partir d'un certain moment, certains chasseurs se sont mis à utiliser des filets scientifiques. Et là, ça a été le massacre. Des filets de 12 mètres étaient tendus et cachés dans les champs. Et tous les oiseaux qui s'en approchaient étaient pris au piège. Mais dans cette période des années 90, la chasse du chardonneret a commencé à devenir un peu plus commerciale. Donc il fallait avoir d'autres moyens. Et ces moyens-là, c'est des moyens sauvages. En plus, on va dans le temps, il y a moins de chardonnerets, donc ça devient plus précieux et ça devient une denrée rare. Donc maintenant, il est encore plus poursuivi.
qu'avant, parce qu'il coûte plus cher. De mon temps, on pouvait acheter un chardonnay à 1 dinar, alors que maintenant, on l'achète à 5000 dinars. Une fois l'Algérie vidée de ses chardonnerets, les marchands se sont tournés vers le Maroc. Là-bas, les forêts encore préservées abritent des populations de chardonnerets qui se renouvellent grâce aux migrations d'oiseaux arrivant des pays du sud de l'Europe. En fait, l'idée, elle est toute simple. On a une problématique, une espèce qui est braconnée. Donc l'idée, c'est quoi? Pour essayer de quantifier un petit peu. Parce que notre objectif, c'est de quantifier pour avoir l'ampleur du phénomène. Donc, l'idée était d'aller au marché, parce que c'est un produit qui va être retiré de son habitat et qui va être pendu par la suite. Donc on a fait un suivi, premièrement, au niveau de la ville de Guelma. Sur le marché de Guelma, on retrouve les vendeurs d'oiseaux traditionnels. De jeunes adolescents continuent à chasser dans les forêts des environs d'autres espèces sauvages, comme le verdier ou la linotte, et les amènent au marché pour se faire un peu d'argent. Certains amateurs de chardonnerets et éleveurs viennent également se séparer de leurs plus beaux spécimens, en espérant faire une plus-value à la revente. Mais ce ne sont pas ces activités qui constituent la plus grande menace pour les oiseaux sauvages. Donc, quand on discutait avec les gens, on essayait de savoir la provenance, les quantités, les prix. Ils nous ont dit qu'actuellement, la plus grande partie des chardonnerets commercialisés en Algérie provient du Maroc. C'est-à-dire, on a une activité de braconnage qui est couplée à une activité de contrebande. Donc, les braconneurs, ils font la chasse au Maroc. Les prix au Maroc, c'est à peu près entre 60 et 70 dirhams. Et ici, en Algérie, on a un prix qui dépasse généralement les 2000-3000 dinars. Donc c'est plus intéressant de le vendre en Algérie que de le vendre au Maroc. Donc, les chasseurs sont installés au Maroc. Après, c'est des grossistes qui vont les acheter au Maroc. Ils vont les acheminer en Algérie. Et en Algérie, la plus grande partie des oiseaux va partir à Alger, qui est le centre de distribution pour le reste de l'Algérie. Les marchés, c'est le problème numéro un, parce que c'est là que les braconniers se rencontrent, c'est là que le massacre est fait, parce que quand on rentre dans un marché, on voit des milliers de chardonnays qui sont vendus. Sûrement, plus que la moitié va mourir. Déjà, il est stressé au moment de la chasse. Il est encore plus stressé au moment de transport aux frontières. Ils mettent du chauffage pendant le trajet la nuit. Automatiquement, l'oiseau, il est malade. La plupart meurent. Donc, il faut que ça cesse, il faut bouger et arrêter tout ce massacre. C'est les marchés de la honte. Le chiffre d'affaires annuel global de ce marché, on estime à peu près à 80 000 dollars par an. Ce qui représente un business assez important. À peu près 1500 chardonnays sont vendus au niveau du marché également. 1500 individus de chardonnerets vendus, ça ne veut pas dire que c'est 1500 qui sont chassés. Et c'est là tout le problème, on va dire. Il y a des documents qui estiment un petit peu que pour un individu vendu, entre 3 et 10 sont morts. C'est-à-dire que rien que pour alimenter le marché de Guelma, on a pris de leur milieu entre 4500 et 10 000 individus. Et là, on prend conscience de l'ampleur, du braconnage. Les amoureux de chardonnerets regrettent les dérives de cette passion ancestrale. Aujourd'hui, conscients d'avoir une part de responsabilité dans la disparition de l'oiseau, ce sont eux les premiers à proposer des solutions pour changer cet état des choses. C'est dans ce sens que Toufik a créé l'AOA, l'Association Ornithologique Algéroise, une grande première en Algérie. Il fallait créer soit une association, soit un club, soit un organisme qui soit
reconnues auxquelles les gens vont adhérer et on pourra se rencontrer pour parler oiseaux. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus près possible de l'éleveur. Parce que l'éleveur, il faut vraiment être un éleveur pour comprendre que pour lui, élever des oiseaux, c'est vital. Ça fait partie de sa vie. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir des oiseaux. C'est vrai que peut-être quelqu'un d'autre va lui dire « Moi, je verrais plutôt les oiseaux dans la nature. Ils sont nés pour voler, donc je ne les vois pas en cage. » Oui, monsieur, vous avez raison. Mais lui, c'est un collectionneur, c'est un passionné. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les choses comme ça. C'est bien beau d'interdire la chasse, d'interdire tout ça. Mais est-ce qu'on a donné à l'éleveur, à celui qui au braconnier, l'état d'esprit de comprendre ces interdictions? L'association essaie de donner une autre forme de protection. C'est-à-dire que on interdit sans interdire réellement. C'est-à-dire que nous, on est en train de créer des concours, des expositions de chardonnerie. Oui, de chardonnerie. Mais de chardonnerie baguée. On est en train de pousser l'éleveur à aller dans un autre chemin, c'est-à-dire à reproduire le chardonneret. Sans se rendre compte, on l'a détourné du chardonneret qui vit dans la nature. Et on l'a orienté vers un chardonneret qui est né en captivité, qui est né en cage. C'est-à-dire que il va falloir qu'il reproduise son chardonneret pour qu'il puisse participer au lieu d'aller le chasser dans la nature. L'association a permis aux passionnés d'échanger des idées et des conseils pour élever les oiseaux dans les meilleures conditions possibles. Riyad est un des piliers de l'AOA. Comme beaucoup d'éleveurs, il est devenu un véritable expert dans la reproduction des chardonnerets en cage. Ils n'ont même pas une heure. Ils sont en train de sortir. Et voilà les bagawas. On leur a mis les bagues. Les bagues ont des dimensions différentes. Il y en a pour les chardonnerets majeurs, d'autres pour les chardonnerets parva et pour les canaries. Il y a le numéro de l'éleveur, de l'association, l'année et le numéro de bague. Les bagues sont numérotées de 1 à 10 ou 1 à 100 en fonction de la quantité d'oiseaux. Jusqu'à la fin de la ponte, on lui met au fur et à mesure des œufs factices à couver. Et quand elle a fini la ponte, on lui remet tous les vrais œufs à couver pour qu'ils éclosent en même temps, sans décalage. Il y a de la chapelure, du couscous, des larves. Il y a beaucoup de produits, hein. On voit à son jabot qu'il a bien mangé. On fait attention à ne pas les suralimenter. L'association a organisé un événement sans précédent en Algérie, un championnat d'oiseaux d'ornement, suivi d'une exposition ouverte au public afin de partager cette passion, de sensibiliser et de proposer des alternatives à la détention d'espèces sauvages. Nous, en tant que passionnés d'oiseaux, nous voulons exposer toutes sortes d'oiseaux pour que les Algériens ne se focalisent pas sur une seule espèce, comme le chardonneret. Si on arrive à les reproduire en grande quantité, on pourra mettre fin au marché et laisser tranquilles les oiseaux sauvages. C'est pourquoi il n'y en a aucun ici dans cette exposition.
Nous voulons encourager la reproduction en captivité. On a longtemps dit qu'il était impossible de reproduire le chardon de raie en cage. On a cherché le moyen d'y parvenir et on a réussi. Et vous voyez le résultat. Aujourd'hui, l'association reçoit un jury international. Il est là pour juger nos chardons de raie et aussi récompenser les éleveurs. Ils ont dû travailler pendant des années et avec leurs propres moyens pour réussir à reproduire cet oiseau. À la lumière du jour, le jury va comparer les couleurs, le plumage et la posture des oiseaux afin de récompenser le plus beau spécimen. Les membres du jury sont particulièrement impressionnés par les chardonnerets des éleveurs algériens. Leur enthousiasme encourage les éleveurs à poursuivre leur travail de reproduction en captivité. Les chardonnerets d'élevage avec une bague qui sont cultivées pour faire des oiseaux comme ça, c'est des joyaux, c'est des bijoux. J'espère qu'on va être de bons exemples pour eux. J'espère que nous, présidents d'associations, anciens ou nouveaux, membres des associations, membres actifs, j'espère qu'on va être à la hauteur pour transmettre les bonnes idées, les bonnes habitudes pour l'éleveur algérien. Je pense que c'est à travers ces associations-là, à travers ces organismes, qu'on pourra réussir à réintroduire et réinventer notre chardonnerie comme il était avant. Mon but, moi, c'est de revoir le chardonnerie dans son milieu naturel. Donc, moi, personnellement, je ne vends jamais mes oiseaux. Et s'en est chez moi, bon, je peux donner à des passionnés, à des éleveurs et relâcher. Mais mon but, c'est de sauver ces oiseaux, c'est de reproduire le maximum, c'est d'avoir un élevage de reproduction à grande échelle. Voilà, c'est de construire de grandes volières, d'initier les gens à reproduire en captivité pour éviter le braconnage, pour éviter d'acheter les oiseaux sauvages. Donc c'est ça mon but. J'ai décidé de construire cette volière pour donner plus de liberté aux oiseaux par rapport à leur santé, par rapport à l'espace de vol et tout. Ça a très très bien marché, toutes les femelles ont reproduit la première année. De là, j'ai décidé de garder cette volière exclusivement pour la reproduction. D'ailleurs, même le choix de l'endroit, il est étudié par rapport au soleil, par rapport, elle est un petit peu camouflée par rapport au vent. Donc, ils sont tranquilles. Et je vois qu'ils sont heureux, quoi. Là,
c'est un mâle dominant. Il domine pratiquement la volière. C'est, comment dire, c'est le patron, quoi. Il a un très beau gabarit, un très beau masque. Il est très, très beau. D'ailleurs, c'est un de mes préférés. Ouais, c'est un de mes préférés. Comme je suis natif de Bijaya, dans un petit village, j'ai pensé de réintroduire quelques sujets dans la nature en espérant qu'ils vont se reproduire. C'est une idée qui me tient à cœur depuis des années et que je compte faire incessamment. Si tout va bien, voilà. Je vais relâcher quelques couples, disons 7 ou 8 couples. Les gens du village, ils vont les protéger, ils vont nous aider à relancer la présence des chardonnerets en Kabylie et en Algérie en général. D'ailleurs, ils attendent que ça. Ils attendent ce jour-là avec impatience. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de beau et de bien pour la nature. Ceux-là sont mes préférés. J'espère qu'au prochain championnat d'Algérie, les deux seront champions. Si on le reproduit en cage et qu'on met en place de grandes volières pour l'aider à s'adapter à la vie sauvage, pour les relâcher ensuite, et si on arrête la chasse d'ici 3-4 ans, on peut faire cette estimation. 10 couples donnent naissance à 12 oisillons par an. Ça fait 120. 120 que l'on multiplie encore par 12 l'année suivante. Ça fait combien ? 1440. Et ça continue, 1440 fois 12 l'année suivante. C'est très facile de le multiplier. En revanche, le plus difficile, c'est de stopper la chasse. Mais je suis confiant. J'ai l'espoir qu'on peut le faire. Mais avant tout, il faut que l'État nous aide. Comment peut-il nous aider? En mettant fin au braconnage. En faisant des lois strictes pour dissuader les chasseurs de chardonnerets. Et surtout, il faut arrêter de vendre des chardonnerets au marché. Parce que si on les réintroduit d'un côté et que les chasseurs les recapturent de l'autre, cela ne sert à rien. Une des pistes, c'est justement de travailler sur cet aspect légal. En matière de chiffre d'affaires, le braconnage, c'est le troisième trafic au monde, après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Les sanctions pénales par rapport au trafic de drogue et de trafic d'armes sont 10 fois plus importantes par rapport au braconnage. Alors qu'en matière de bénéfices, c'est quelque chose d'énorme. Donc déjà, c'est disproportionné. Un aspect légal pour réglementer le commerce électronique. Ici, en Algérie, la plateforme la plus connue, c'est Wetkis. Donc on a réalisé un suivi sur cette plateforme pendant une période allant de 3 à 4 mois. Et on a eu des résultats pour le chardonneret où on a vu que plus de 5000 individus étaient présentés à la vente. Des sites de vente en ligne tels qu'Amazon ou eBay ont intégré l'interdiction de vente d'animaux sauvages dans leur charte. Il faudrait qu'on le fasse aussi. Ça, c'est impératif. Aussi, la sensibilisation, c'est très important. Mais pour la sensibilisation, il faut identifier le bon message. Et il faut identifier le bon message et le bon moyen de communication. Est-ce que c'est le fait qu'on va avoir un impact négatif sur la biodiversité? Est-ce que c'est de parler de l'illégalité de cette activité qui est le braconnage? Est-ce que c'est un autre message qu'il faudrait faire passer? Donc ça, on peut essayer déjà d'explorer ces pistes-là et d'essayer de savoir à quoi les gens sont le plus sensibles pour faire passer justement le message qu'on veut en matière de protection du chardonneret. Qui a des oiseaux à la maison? Ceux qui en ont, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quel genre d'oiseaux? Des canaris. Ceux qui ont un canari, levez la main. Ceux qui ont un chardonneret? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait un pourcentage important de chardonnerets à la maison. Qui chasse? Toi? Tu chasses à quel endroit? Dans la montagne. Dans la montagne? Et tu habites où?
Enel Barda. Qu'est-ce que tu as l'habitude de chasser? Quel type d'oiseau? Le chardonneret? Oui, le chardonneret. Et encore? Le verdier aussi. Et un autre, je ne connais pas son nom. Le serin? Oui, c'est ça, le serin. Et la linotte. Le serin et la linotte. Et pourquoi les chasses-tu? Pour les vendre. Pour les vendre au marché d'El Barda? Non, à mes amis. Pas au marché, à tes amis. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder le chardonneret? Faire des lois strictes sur la chasse. Faire des lois strictes sur la chasse du chardonneret. Existe-t-il des lois de ce type en Algérie? Non. Et si? Les lois existent et les textes existent. Le chardonneret appartient aux espèces protégées en Algérie. La chasse et la vente de cet oiseau sont interdites en Algérie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Ce qu'on pourrait faire en premier, c'est de faire baisser la pression sur cet oiseau. S'il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'acheteurs. Et notre but aujourd'hui, c'est de protéger le chardonneret. On veut le revoir dans la nature. Et pour ça, il faut arrêter de l'acheter. Le déclin des oiseaux, d'une manière générale, ça touche pas seulement le chardonneret. Ces dernières années, le monde il vit ce qu'on appelle une crise de la biodiversité. C'est-à-dire c'est une diminution des espèces à travers le monde et principalement en Algérie. Il y a encore de l'espoir. Je peux dire qu'il y a quelques initiatives. Ils ne sont pas vraiment gigantesques, mais des initiatives. Ils sont faites par exemple par des directions, qui sont la direction des forêts, ou qu'il y a certaines associations qui travaillent dans ça. La législation algérienne aussi, elle s'est intéressée à l'aspect environnement. Il y a une nationale juridique sur ça. Le problème, c'est que les efforts, ils sont un petit peu minimes, et c'est des efforts qui sont séparés. C'est-à-dire il faut mettre les mains, que ce soit gestionnaire, que ce soit décideur, que ce soit la législation, que ce soit le scientifique, que ce soit le simple citoyen. Le simple citoyen, parce que c'est lui l'élément de base de la conservation de toute cette forêt-là, ou de toute la nature d'une manière générale. Il faut savoir une chose, je vais être très franc concernant ce point-là, le citoyen, il ne sait pas venir dans la nature. Par exemple, un citoyen de la ville de Guelma, cette richesse-là, il chauffe avec la forêt, avec toutes les espèces qui existent là. Où il ne vient pas ici pour vraiment rester ici, pour rechercher les batteries et voir la nature, voir les différentes espèces, voir la beauté qu'il y a, le paysage qu'il y a, au lieu, par exemple, de prendre avec le chardonneret la nature vers la ville, elle est pourquoi pas venir vers la nature et s'inspirer. À long terme, c'est de changer notre rapport avec la biodiversité. C'est de changer notre rapport avec les espèces, c'est de changer notre rapport avec les modes de consommation. Et c'est des choses qui commencent à s'installer déjà. Il existe une catégorie de gens qui n'ont pas le besoin de posséder des choses pour les apprécier. Et à mon sens, il faut aller vers là. Il faut aller vers cette idée-là. Pour observer la nature, pour observer un oiseau, il vaut mieux aller le voir dans son environnement, dans sa nature, à l'état sauvage. Ça, c'est l'idéal. Et pour ça, justement, je disais qu'il faut changer notre rapport avec la possession. Voilà. Pourquoi posséder? Si j'ai envie d'écouter un oiseau, je pars. Même dans le jardin ou en ville. C'est-à-dire que si je n'ai pas une pression énorme sur le chardonneret, on pourrait le voir dans les jardins de Galvan. Et voilà, être assis tranquille dans un banc et écouter les chants, ça, c'est dans le meilleur des mondes.
Aujourd'hui est un jour particulier pour Majid. Il se prépare à relâcher plusieurs couples d'oiseaux à ces Doukoufella. Majid a su convaincre tout le village, le conseil des sages, l'association religieuse et même l'association des chasseurs de l'importance de l'événement et de la responsabilité de chacun. Bonjour à tous. On s'est réunis aujourd'hui pour faire ensemble un geste vers la nature. On va relâcher des oiseaux, des chardonnerets et quelques autres oiseaux sauvages. On a commis des erreurs par le passé. On a chassé les oiseaux et aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y en a plus. Notre idée, c'est d'essayer de rendre à la nature ce qu'on lui a pris. J'invite Dassaïd à me rejoindre. C'est un des sages de Doukoufella. Je le remercie. Je souhaite que ces oiseaux soient relâchés par les mains de ces enfants. À l'avenir, c'est eux qui devront les protéger. J'espère que l'innocence de ses mains leur portera bonheur. Autrefois, cet endroit était rempli d'oiseaux et de chardonnerets. C'était magnifique. Aujourd'hui, il manque quelque chose, comme un grain de sel. Notre village est très beau, mais il lui manque le chant des oiseaux. Et j'espère que tout redeviendra comme avant. Ouvre ta main comme ceci. N'aie pas peur. Ne lâche surtout pas. Attends, n'appuie surtout pas. Mets ta main au-dessus sans appuyer. Tiens-le juste comme ça. Donne ta main. Tiens-le de cette façon. Pas comme ça. Non, non, de l'autre sens. Ouvre tes petits doigts. Voilà. N'appuie surtout pas. Cinq, quatre, trois, deux et un. Le relâcher de Majid est un premier geste symbolique pour rendre à la nature ce qui lui a été volé par des hommes ensorcelés par la beauté et le chant d'un oiseau. Il ouvre humblement la voie à la réintroduction du chardonneret dans son milieu naturel. Majid sait que l'avenir de ce projet dépend du soutien de l'État algérien, mais aussi d'un travail commun avec tous les pays concernés. Il a aussi compris que le destin du chardonneret est entre les mains des générations futures, qui doivent apprendre à observer la beauté de la nature et à la respecter, sans se l'accaparer. Vous m'avez donné confiance, pas mal. Donc ça va me pousser à faire plus que ça. Voilà. Voilà. Oh, my God.